Et voilà, c'est génial. Alors, je t'ai fait attendre, mais voilà, c'est fini, tu vois. L'épée Kokiri a été renforgée en lame rasoir. Cette nouvelle épée très effilée et fragile peut utiliser que 100 fois avant que son tranchant s'émousse. Souviens-toi, si tu utilises plus de 100 fois, ton épée va s'abîmer et reviendra normale. Et j'ai un secret, si tu amènes de la poudre d'or avant qu'elle s'abîme, je pourrais te forger la plus puissante des épées. T'as compris? De la poudre d'or! De la poudre de perlimpinpin! Yes. Est-ce que je vais au donjon, là, vite fait? Je vais retourner au donjon, en vrai. Oh, attends. Je fais la course Goron, d'abord. Ouais, je dois faire la course Goron, en vrai. T'as raison. C'est par où? C'est par là. C'est par là, je crois. Ouais. Je viendrai rechercher la fée manquante, hein, mais d'abord... Il y a des priorités dans la vie. Ah, j'avais oublié, putain. Ah, Darmy! Il fait bon et chaud dehors, je me sens beaucoup mieux. Même si mon petit papa, il est pas à côté de moi, bah je vais plus pleurer. Super, maintenant que le printemps est enfin arrivé, les courses de Goron vont pouvoir commencer. Mais... ce gros rocher qui se trouve sur le chemin nous empêchait d'aller voir la course. J'avais tellement envie d'aller voir cette course, ça fait si longtemps, je suis bloqué ici. Non, et puis non, je veux la voir, je veux la voir, je veux voir cette course. Petite merde. Je crois qu'il faut payer des rubis, il me semble. Hein. Je sais plus. Oh putain. Ouais, c'est là qu'il faut aller, je crois. Hein. Ah, il est gratos! Je suis le Goron qui vend des barils de poudre dont la réputation s'étend à travers le monde. Tu veux un baril de poudre? Ils sont très dangereux, tu sais, leur explosion est très puissante. Je peux t'en donner tant que tu n'aurais pas testé si c'est les manier. Veux-tu essayer le test? Tu peux détruire le rocher qui bloque l'entrée de la course des Gorons avec le baril de poudre, alors que j'accepterai de t'en vendre. Quand la mèche du baril de poudre crépitera plus vite, c'est qu'il tardera pas à exploser. Essaye de détruire le rocher qui bloque l'entrée de la course sans que le baril de poudre n'explose. Il y a une pancarte près de la piste. Garde la ligne ouverte, ce serait bête que tu la rates. Reviens voir quand tu auras fini. C'est parti! Ok. J'ai souvenir qu'il fallait faire ça. Je crois qu'en vrai, le timer, il est généreux, en vrai. Je suis plus sûr à 100%, mais... il me semble que c'est assez généreux au niveau du timer. Et bah, allez, c'est reparti pour faire la... des conneries. En vrai, c'est large, ça va. Pas dans l'eau, monsieur Wolf, là. Non, par contre, s'il te plaît, large. Voyons. Bah, on peut faire ça. T'as gagné, c'est super. J'y vais, moi, je t'attendrai là-bas. Viens vite me voir. Je
Je crois qu'il m'a pris pour Darmani, hein, je pense. Ok. Allez, c'est parti pour la course de merde, là. Ah, Darmi, je t'attendais. Tu vois, tout le monde est excité, ils veulent tous entrer. Tu vas y aller, toi? Tu veux participer? Tu dois le faire, je veux que tu montres à tout le monde que tu es le plus fort du monde. Son niveau de magie descend trop, tu peux le recharger en passant sur les fioles vertes. Eh, j'ai pas la double magie, par contre. En vrai, y'a pas besoin de double magie. Et go, go, go! Alors, la course, ça paraît pas, hein. N'espérez pas du skill dans cette course. C'est totalement RNG. Mais, et je plaisante pas, hein, c'est vraiment RNG, hein. Tu peux faire la course parfaite et te faire niquer au dernier moment, hein. Tout comme tu peux faire de la merde et finir premier. Ouais, toujours train de la RNG. Putain. Connard! Les bâtards quoi, et j'ai pas de chance là, c'est abusé. Mais putain, je vous jure, j'ai pas de chance. Ah bah oui, je la perds, saloperie, va. Putain, c'est n'importe quoi. L'hiver a été long, ouais, ouais, je vais participer. Allez, go, 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 dégage. Dégage. Trop fort les gars, tu vois. C'est n'importe quoi. Putain, mais what? Mais fous-moi la paix. Il y en a un qui est devant, hein. Il est irrattrapable. Il est juste irrattrapable en fait. Oh allez, 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 yes. C'était super, je sais que tu pouvais y arriver, t'es le plus rapide, Darmi. Je savais, moi, que tu serais le Prums. Tiens, c'est de la part de Popa, c'est ton prix. Ouh, putain. Quand je serai grand, je serai comme toi, super rapide, super fort, même que ouais. Oh, putain de merde. Bon allez,
Cassos là. Gamora, va chercher un café pour notre client et grouille-toi. Laisse-moi jeter un œil à ton épée. Et en voilà une blague. Quelle est mauvaise, ton épée a déjà été reforgée en lame rasoir. À moins que tu veux que je la reforge à une arme encore plus forte. Pour ce faire, il me faut de la poudre d'or. Tu en as? Je vais te la donner, ta poudre d'or. Mais c'est de la poudre d'or! Et de la meilleure qualité! Si tu l'utilises pour reforger ton épée, il m'en restera même un peu. Très bien, juste pour toi, je te le fais gratis. Ne dis rien, j'ai une réputation à tenir, moi. Merci d'être venu, je vais me mettre au travail. Reviens demain matin. Voilà! Bon. C'est pas tout ça, mais... Oh. Attends, what? Y'a un truc derrière la cascade là. Y'a un truc là ou... Ah, c'est les rubis, j'imagine. Ouais, Joseph. Bon, bah, va falloir se retaper le chemin. I guess c'est passé, hein. Toi qui portes avec toi mes restes. Reviens me voir, viens te rebattre contre moi. Mais je t'ai déjà affronté, c'est bon. Ouais, j'imagine, mais bon, je vais quand même essayer au cas où. Je vais tester un truc. Je vais tester un truc. Parfait. Ah ah non. Oh le bait. Bon, attends, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller voir la Solus parce que. Ok. Voilà, là je suis d'accord. Ensuite. Il me faut ceci. Et regardez-moi ça. C'est ça qui me manquait en fait. J'ai pas pensé à ça. Ok. J'avoue que là, l'escalier, il est pas friendly, hein. Oh putain. Voilà. Maintenant, on se casse. Je crois que la grotte, elle est quelque part ici, hein, de mémoire. Alors, je pense que j'irai un peu plus vite avec le masque du lapin. Hein.
C'est là. Voilà. Oh 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 oh! Salutations, petit être plein de sagesse. Je suis la grande fée de la sagesse. Et je suis plein de sagesse. Tu as rendu à mon corps brisé sa forme normale. Sans en remercier. En guise de remerciement, j'ai augmenté ton énergie magique. La double magie, let's go! Ça, c'est cool. Capacité de magie, vous possédez maintenant deux fois plus d'énergie magique. Rends-moi visite à chaque fois que tu en auras besoin. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? C'est un bâtiment, c'est celui-là. Alors ici, il faut le masque Goron pour le quart de cœur. Eh ben, tu m'as l'air d'être en forme, tu veux jouer? Pour toi, c'est 30 rubis. Ce parnommé au coffre et que vous l'ouvrez dans les temps, vous gagnerez un prix spécial. Découvrir ce qui se trouve là-dedans, c'est déjà la moitié du plaisir. Prêt? Ah bah après, ça, chacun sa notion de plaisir, hein, n'est-ce pas? Bon, alors moi j'avoue, je suis Team Lapin. Oh putain, ça aurait pu! Bon alors! Oh what? Oh! Oh! Non! C'est dégueulasse, putain! Oh putain, je suis dégoûté! Bon, bah écoute. Bon, évidemment, ça va être trop facile, hein. Wait a minute. Voilà. Facile, celui-là. Voilà, quart de cœur. C'était amusant. Encore un essai. Non, on va te faire foutre. Ok. Ah, c'est là. Voilà, alors je l'avais déjà fait. Le problème, c'est qu'il y avait deux rewards.
Va pour toi, va pour toi. Et alors non. Et sinon le deuxième reward là. J'ai envie de crever. Oh là là, mais sans déconner. Mais je l'ai, j'aurais pas là. Oh putain, si c'est bon. Ouh. Bon, qu'est-ce qu'il me reste du coup? Oh non, mais je la gyroscope, il carry en vrai. Hein. En vrai, je vois pas ce que je peux faire. Hein. Pour moi, j'ai tout fait en fait. Oh, c'est quoi là? Le Hard Piece et Gossip Soul, je l'ai fait. Attends, c'est quoi ce chemin? Il y a plein de sang cœur là. Hein. Là, il y a un truc. Ouais, un rubis rouge. Ouais. Ah ok, c'est là. Alors, direction... Par là. Je vais aller vite fait à la quatrième zone. Oh putain, oh, aucune magie, ok. Parce que je pense qu'il y a des trucs à faire là-bas. Ah ouais, par contre, faut que je les évite ceux-là. Attends. Attends, il faut pas Epona en fait. Je suis en train de me poser la question là. Non, il faut pas Epona. Pas besoin. Pas besoin Epona. Voilà. Oh mais je fais les bons jumps hein. Ah, mal placé. Par contre, faut pas que je loupe là le type là qui a le masque. Oh, il est là, c'est bon. Non. Trop lent. Voilà. Là, j'ai besoin de lui. Hein, ne me dis pas que c'est... Je suis surpris, tu es la première personne qui me parle.
Je suis ici depuis des années, je me bouge les bras dans tous les sens comme un dingue, mais tout le monde semble m'ignorer. C'est parce que je suis aussi intéressant qu'une pierre, je suppose, enfin je m'y suis habitué. J'ai un service à te demander, pourrais-tu me donner un truc pour un gars comme moi, c'est anodin qui soit plein d'énergie. Ah merde! Failli donner une potion, putain! Oh, ouais, bon, on y retournera. On y retournera. Ouais, je vais retourner maintenant en fait. Attends, y a pas. Non, y en a pas, putain. C'est ça qu'il me faut. Oh mais non, ça sert à rien en fait. Il fait nuit. Je l'aurais pas. Ouais, merci. Oh, c'est quoi ce truc là? Ah, il est ouvert de nuit. Cimetière d'Ikana. Bah merde. Bah j'y vais alors hein. Il est vraiment ouvert là. Ah. Ok, très bien. Voilà. Eh bah putain, si j'avais su qu'un jour j'achèterais quelque chose chez toi. Allez, j'ai ta potion, monsieur. Ne me dis pas que c'est... Je suis surpris, tu es la première personne qui me... Ah non, mais j'ai un service à te demander. Ouais. Ouais, la potion rouge. Ah, c'est ça? Je me sens mieux. Merci. Oh, tiens, récompense. Le masque de la pierre. Ouais, et pour cela, on devient une pierre. Maintenant, je vais m'entraîner à attirer l'attention. Ah là. Maintenant, il va faire du notice Miss Senpai. Hein. À tout va. Voyons, il y a ça. Oh mais putain! Bon c'est pas grave mais c'est chiant quoi. Ok. Alors, je crois qu'il faut aller là. La porte est fermée, personne ne doit être là. Ok. Toi qui me réveilleras, toi tu seras mon ennemi. J'éteindrai ensuite les flammes de la fureur. Ah, toi tu m'intéresses. Oh merde, j'ai plus beaucoup de bâtons en fait. Pardon. Non en fait. Alors, c'est... C'est ça, normalement. Il y a la sonate de l'éveil et la berceuse. Alors, on va voir si les broken sticks, ça marche aussi, ici. D'accord.
Il est où, putain? Ah. Si tu veux pas me battre, or tu n'es pas assez puissant. Ah, ok. Retire ton bras, la défaite est mienne. Regaine ton épée. Ah bah j'ai pas d'épée en fait. J'ai commandé les armées du royaume d'Ikana. Mon nom est Crâne de Pierre. Depuis ma défaite lors d'une bataille pour mon royaume, je me suis enfoui sous un songe d'oubli en attendant celui qui viendrait réveiller mon âme. Jeune guerrier, ton épée m'a vaincu, et ton bras m'a mené à la défaite. Mais j'ai pas d'épée! Puisqu'il en est ainsi, je me remets à ta puissance pour finir ma quête. Je te demande de prendre mon âme qui repose au fond de ce feu, et de transmettre mes ordres à mes soldats, qui même dans la mort me sont restés fidèles. Dites-leur que la guerre est finie. Ainsi, mon âme pourra goûter au repos. Mon capitaine, puis-je disposer? J'aime beaucoup ce passage, en vrai. Je trouve vraiment, il a... Ah, il y a un certain truc, là, qui s'en dégage. Oui, mon capitaine! Et voilà! Attends, comment j'y vais, là, maintenant? Comment j'y vais? Non, en fait, en sautant? Ah ouais. Et voilà le home du capitaine! Les fantômes d'un millier de soldats ont juré allégeance à ce symbole d'autorité et de discipline. Voilà. Il me reste encore des trucs à faire en vrai. Hein. Attends, what? What? attends, ça c'est pas possible que ça soit comme ça dans la version originale.
Oh, ces amas de pixels, putain! Je t'ai fait attendre, mais voilà, c'est fini, tu vois. Et la lame rasoir a été reforgée en lame dorée. Cette nouvelle épée est une arme redoutable, elle infuse d'importants dégâts et jamais ne s'émousse. Et voilà, nous ne pouvons pas faire mieux. Le tranchant de cette arme ne s'émoussera jamais. Essaie, tu verras bien. Au fait, j'ai utilisé presque toute la poudre d'or. Il m'en restait un peu, alors j'ai jeté pour toi. Non mais c'est pas ça ma question, c'est est-ce que c'était normal ou pas? Moi je pense pas, hein, mais... Sait-on jamais en vrai, hein. Ah, il peut sauter, incroyable. Allez. What, qu'est-ce qu'elle foutait là, cette caisse? On dirait bien que tu as réussi. Connaissant ton habilité, je n'ai aucune crainte à laisser un de mes barils en pourri. Je suis désolé de t'avoir fait prendre des risques avec ce test. Pour t'excuser, je t'offre ceci. Et là, du coup, il sera à la boutique tout le temps. Les barils de poudre sont très instables. Vous pouvez en porter qu'un à la fois. Ils peuvent exploser plutôt si vous leur tirez dessus avec une flèche. Ah bah là. Bah, j'ai tout, je pense, là. Hein. Bon, on va pouvoir s'arrêter là. Eh bien, besoin de quelque chose? Ouais. On va déposer les 200 rubis, on va s'arrêter là, du coup. Donc, ça a été une bonne session de... Putain, il manque tellement de rubis encore à voir, là. Ah, la vache, j'ai hâte de pouvoir en porter plus. Voilà. Bon allez, merci d'avoir regardé. C'était cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui stream là? Ouais, ok, c'est bon. Ah bah allez, à la prochaine. Salut!